Eh bien, bonjour les gens, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, on se retrouve sur Majora's Mask 64, oui. Donc, la dernière fois, on avait eu notre épée magnifique. Donc là, oh là, on va avancer. Et après, je ferai quelques quêtes où on n'avance pas, quoi. Genre, on fait des quarts de cœur et tout pour gagner plus de cœur parce que j'en ai pas beaucoup. Donc, en fait, là, je suis allée chercher un baril de poudre. Il voulait qu'on refasse le test pour avoir le baril de poudre. Donc, là, je suis allée chercher un baril de poudre. Vous allez comprendre pourquoi. Car en fait je suis... Attendez, je vais baisser le son de la télé. En même temps je vous parle un peu. Je mets à 1. Non, pas 0, pas 0, pas 0. Voilà. Donc voilà. On va partir vers là-bas. Donc c'est parti, on y va. Et là on lit le panneau. C'est écrit quoi? Vers la route du lait, direction Ranch Romani. Donc c'est parti, on y va. Le Ranch Romani. Donc c'est parti, il y a un truc de téléportation, donc je vais faire ça tout de suite, hop. Oui, là les gens, je suis un peu moins malade, je renifle plus trop, ça va. Donc des flèches, il nous faut des rubis, il nous faut des rubis. Des rubis, des rubis, des rubis. Allez, 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 plus qu'un, oui, plus qu'un. K. Il y a Tingle juste là. On utilise la flèche de feu, on n'a pas le temps. On le fait tomber. Oh, les pieds. Donc on va lui parler. Qu'est-ce que c'est que ça? Habit vert, fée blanche, messire. Serrez-vous par une chance une fée des bois? Oh là là, je m'appelle Tingle, je crois être comme vous, messire, une fée des bois. On s'en fout, on a déjà dit. Bon, j'ai acheté sa carte. Désolé si vous entendez des voix, je couperai de ça au montage. Bon, je vais faire une pause avant pour qu'il n'y ait plus de voix. Je vais attendre qu'on part en bas. Donc c'est bon, il n'y a plus de voix. Donc je peux faire ma vidéo tranquille. Donc, je vais équiper le baril de poudre. Je vais prêter le goron. On va voir ce qu'il me dit. Il me dit, quelqu'un de pas très gentil a bloqué la route qui mène au Ranch Romani. Je suis désolé, je vais dégager la route rapidement. Et là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Clac! Il se barre, on pose le baril. Vous inquiétez pas, ça va plus vite que d'habitude, le temps. C'est cool. Et là, le gars, il acclame. Il est en mode, wouhou! Il est en mode, allez, allez! Et là, pfff! Et c'est bon, qu'est-ce qu'il dit maintenant? J'ai jamais reparlé. Hein? Et tant qu'il y a du trafic, ça va. Hein? J'ai pas trop compris. Donc on va se remettre en goron. Alors, c'est parti. Et là, le Ranch Romani. Je vous ai pas mis la musique, le con. Voilà, un petit peu de musique, écoutez. Donc c'est parti, on va marcher. Je crois que la fille a peur quand on est au goron, je sais plus. Je crois que non. Donc on va avancer. Et désolé les gens, j'ai pas de logiciel de vidéo car bah c'est ça fait pas beau et tout alors que bon vieux logiciel est cool. Ah. Là! On dirait ton cheval. Eh bien, on dirait que oui. Ah, je souris! C'est bizarre de voir Link sourire, frère. Link, il sourit. Vous avez vu? C'était grave bizarre. On peut pas zoomer. Non, on peut pas zoomer sur lui. Oh non, les deux voix. Je reviens. C'est bon, heureux parce qu'en fait, il y a ma mère. Du coup, bah, c'est un peu normal. Hé, hey, qui es-tu? Je suis Romani. On m'a donné le même nom que le ranch. Comme ça. Quel est ton nom?
Je le dirai pas. Bon, très bien. Pourquoi pas sauterelle? C'est le nom que je te donne. Regarde, tu portes des vêtements verts, et tu gigotes quand tu cours, comme une sauterelle. Bon, je vais m'entraîner pour ce soir. Oui, ce soir. Ils vont venir. Wow. Ils viennent la nuit chaque année quand le carnaval approche. Hop. Oh, regardez-moi ça. Ils arrivent avec de la mer partout. Il y en a un paquet qui descend du ciel. Ah, faut que je skip. Et alors, ils vont vers la grange, j'ai plus le temps de voir. Ma grande sœur ne me croirait pas, mais moi, Romani, je dois protéger les vaches. Hé, sauterelle, je recrute des gens pour m'aider dans ma mission. Tu veux un garçon? Tu veux m'aider? Oui. Super, ça c'est du courage, sauterelle. Ok, je t'explique mon plan. Ils vont apparaître près du ranch. Ils vont se diriger vers la grange en avançant lentement. Tu vas devoir leur tirer dessus avec des flèches pour te repousser. Tu as pigé? Tu ne dois surtout pas quitter le grange. La grange, what the fuck? Sauterelle, il faut s'entraîner. Il y a 10 ballons autour du ranch. Tu dois les crever avec tes flèches en moins de 2 minutes. Le record actuel est de 1 minute, pile. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Et je renifle encore, désolé. Donc, elle nous donne notre cheval. Et go! On va péter les ballons et moi je suis sur portable, je vais galérer. C'est parti. Donc, oh! C'est parti, allez, c'est parti. Et franchement, je me débrouille pas mal pour l'instant. Allez. On dirait que je suis avec une manette alors que c'est alors pas du tout. Je suis encore au doigt là, putain. Ah, oh, voilà, ça commence. Allez, 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 Epona, Epona, Epona. Allez! Et du coup, les touches sont toutes petites. Alors, le record est de 1 minute, bah, je vais pas le battre du tout. Hein. Allez hop, premier, c'est fait. Oh, il y en a un paquet là. Bon, là, c'est rigolo, c'est mignon, c'est la journée, il y a une petite musique, mais en vrai, quand ça serait la réalité, ça serait pas du tout pareil. Allez! Mais vous avez vu ça, le tonne de flèches que j'ai dû mettre. J'ai hâte d'avoir ma manette pour jouer. Ok, tu as réussi. 1 minute 6. Ah merde, super. Vous faites tous les deux une super équipe. Je vais t'enseigner la chanson romanée pour appeler les chevaux, sauterelle. Continuez à vous entraîner tous les deux. Le cheval semblait aimer cette chanson. Mais on la savait, parce que dans Ocarina of Time, Link il s'en rappelle normalement, non? Mais on la connaît, mec. Enfin, en tout cas, cette musique est vraiment cool. Moi, je la connais. Ah merde, c'est la fin de ma série sur la télé. Dommage. Ah, mais j'ai mis une playlist. Alors, tac, nouveau chant. C'est le chant d'Epona. La chanson. Oula, le micro, ouais. La chanson de ceux qui sont liés par la confiance. Vous avez vu la description? Eh, je l'ai gérée. Hein. J'ai fait quelque chose. En vrai, vous pouvez voir maintenant. Vous pouvez voir mon stuff. Quand tu descends un ballon, ils disparaissent, mais les vrais ennemis, eux, apparaissent tout le temps. S'ils atteignent la grange, nous sommes perdus. Ils vont s'enfuir dès que la lumière du soleil apparaîtra. Tu dois les combattre jusqu'à ce moment-là. Tu as pigé? Oui. L'opération commence, j'ai pas le temps de voir. Ouais, du coup, on a gagné le champ des polars. Oh non, non, non. Du coup, on a gagné le champ d'Epona, c'est vraiment cool. Donc, les gens, c'est les fantômes, ils arrivent vers 2h30 du matin. Ah, du matin! Ah non, devenue gardienne du ranch Romani. D'accord. À 2h30 du matin, les fantômes disparaissent, c'est ça? Jeune fille vivant, ouais.
devenu fantôme vaincu à 2h30 du matin. Ah, d'accord, je crois avoir compris. Ils sont vaincus à 2h30 du matin et... non, je m'en steak. L'opération commence ce soir à 2h. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Bon, bah, je vais accélérer le temps. Hein. Je vais mettre l'ocarina. Je vais équiper les flèches. Et je crois que c'est bon. Hein. Je vais avancer le temps jusqu'à 2h, hein, même si sur... Oh putain, je reviens. Donc, bah, religion, finance, c'est pas trop une grosse coupure, ça va durer 5 minutes, allez. Donc, j'avais dit qu'on allait voir des magasins qui sont en ranch, donc là-bas. C'est là-bas, quelque chose, ouais, c'est là. On va aller voir un magasin. Hop. Tac. On rentre. Par contre, il pleut, ça c'est pas good. Il pleut alors qu'on a caché, hein. Il y a un toit. Enfin, en même temps, c'est vrai, c'est un jeu. C'est pas la réalité. Enfin, c'est presque la réalité, moi je vois ça. Donc, on va sortir le masque qui est là-bas. Tac, à la place de Camaro. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Il y a un mec là, il me dit. J'ai entendu mes parents dire que la lune va s'écraser. Vu la taille de ce machin, c'est sûr que le ranch va y passer. Ah, ben c'est comme ça. Quelle déception. Mon seul regret, c'est que je ne verrai pas ces petits poussins devenir de belles cocottes. Le fanatique des cocottes croque a été ajouté dans le jeu. Et ben, nous, on va lui faire son souhait, c'est tac. C'est vrai que je crois que j'avais pas utilisé le masque, je sais plus. Et quand on appuie sur B, Link il fait ça. Voilà. Et je crois, ouais. Donc là on prend tous les petits poussins. Non, 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 non. Non, 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 j'ai lâché B. Donc là ça va être très très long. Je pense que je peux même accélérer. Allez, on avance. Il est vraiment bien cette musique, hein. Même si c'est juste une boucle. Ah, j'ai pris un petit poussin. Il y a un poussin là-bas. Il y en a 10 à ramasser, je crois. Hop, elle est bien, bien, bien. Voilà. Il y a un petit poussin là-bas. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai que 4. Il y en a 3 là-bas. Tout, tout, tout. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, je vais me compter. Allez, 7. Allez. 8. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ah, 9. Je lâche pas le bouton B. Je ne vais pas lâcher le bouton B, même si c'est très tentant. Les mille derniers poussins. Il est là-bas. 10. Et là. Il devient des cocottes. Des poules. Voilà, donc là il devient des cocottes. On a plein de cocottes derrière lui. Regarde, t'es content? T'as plein de poules. Voilà. Donc, je comprends pas trop comment tu as fait, mais avoir une petite crête sur les têtes de ces petites poussins, c'est le bonheur. Sinon, tout va bien dans ma vie, je suis content, tout va bien. Tiens, tu peux avoir ça si tu veux. Et bim, un nouveau masque. Vous tenez le masque du lapin.
haut les yeux, l'oreille toute douteuse, que la puissance de la pente unité vous obsède. Ouais, ces petits poussins sont tous des super copains. Et voilà, on a un nouveau masque. Donc c'est génial. Un nouveau masque en plus. Tac, tac, on va équiper. Oh non! L'arc. Allez. Donc regardez. Tac, on met le masque. Mais qu'est-ce que ça fait? Bam! On court plus vite. Regardez la différence. Regardez la différence. Tac. 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 Voilà. Donc. Voilà, on va aller à côté, en plus on va plus vite. Par contre, je vais amortir le temps parce que je l'avais remis à normal. Du coup, là, je vais ralentir. Non. Voilà, je ralentis et c'est parti. C'est bon, j'ai ralenti le temps. Voilà, donc là on rentre et là, course pour chien. On va voir la madame. Allez, parle-nous. Comment je te parle? Comment je te parle? Ah, voilà. Que veux-tu? Que viens faire ici par ce sale temps? Tu te trouves devant la piste course des petits chiens-chiens de Madame Mian. Si tu n'aimes pas les courses de petits chiens-chiens, alors tu n'as rien à faire ici. Veux-tu essayer une course de chien? La mise de et des 10 rubis. Ah, j'ai pile 10 rubis. D'abord, tu veux choisir un petit chien et l'amener ici. D'accord. Donc, je vais choisir un petit chien. Je vais prendre le blanc. Les basiques. Les meilleurs. J'aime pas cette race de chien. C'est dommage. Je les aime pas du tout. Non, je crois que j'aime pas. Ce petit chien se convient, oui. Si ton petit chien arrive à la première place, tu gagnes triple. S'il arrive à la deuxième place, tu gagnes double. Si ton petit chien arrive entre la troisième place, tu remportes ta mise. Si ton chien arrive après, alors tu perds ta mise. Moi je veux. Bah oui, mais 50 rubis, c'est pour avoir un quart de cœur en fait. Donc je parlais 10 rubis, mais 10 rubis, c'est tout. Allez mon chien, c'est parti. Tac. Allez, cours, c'est parti. Allez, mon petit chien, tu peux le faire. Ok, fonce le tour de la piste. Et tu peux le faire, mon petit chien. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Non, ça va pas du tout. Là. Non, ça va pas du tout. Non, mec, ça, tu pues. Oh là là, il est nul ce chien. Oh là là là, je vais rien gagner. Oh, c'est quoi cette taupe? Oh mon dieu. C'est le pire chien de ma vie. Bah oui, j'ai fait un mauvais choix. Non, j'ai plus de rubis. Bah oui, vraiment. Bon, on retournera ici pour avoir le quart de cœur. Je ferai en off du coup. Du coup, on va partir de ranch. Du coup, j'ai Epona. On n'a plus rien à faire ici, sauf le quart de cœur de mon chien. Et c'est tout, on peut partir. Donc, hop. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Au prochain épisode, on ira au troisième environnement, donc la mer. Quoi. Pour ceux qui connaissent Zelda, vous savez c'est quoi. Même mon pote, vous savez c'est quoi. Donc, je vous dis, on va s'arrêter on va y aller plus tard. Donc c'est youhou avec du lag. Et en même temps, c'est du portable, d'accord. Donc, on va là-bas. Donc on dit, on ne peut pas passer la barrière, on ne peut pas, il nous faudra Epona. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, moi elle m'a plu aussi. Donc je vous dis au prochain épisode, enfin ciao, au prochain vidéo, allez, ciao les gars, et les filles, au cas où, il y en a.